Bienvenue sur le Petit Média, je suis aujourd'hui en compagnie de Loïc. Comment vas-tu ? Très bien. Très bien en cette magnifique journée de oui, petit très moment. Ensoleillé, caniculaire, n'est-ce pas ? Quelques gouttes de vent. Oui, au moins on part. Donc, je te laisse te présenter, dire un peu ce que tu fais. Ouais, donc Doric Martin, je suis médiateur culturel à la Micropolis d'Hirson. Et aujourd'hui, du coup, on propose un atelier sur l'artiste féministe Nidhit Saint-Phal, qui est connue pour ses grosses dames en sculpture, et du coup, on leur fait faire la mosaïque autour de ce thème-là. Ok, et du coup, en dehors du petit monde art, qu'est-ce que vous faites à la Micropolis? Alors, on est donc un musée numérique, donc on travaille en partenariat avec la Villette de Paris, qui travaille en partenariat avec les plus grands musées nationaux et internationaux, et du coup, on a des collections numérisées des plus grands chefs-d'œuvre qu'on propose en 4K sur un grand écran, et on peut interagir avec elles, avec les tablettes numériques, et aussi les casques à réalité virtuelle, etc. Ok, et vous êtes ouvert quand? Alors, on est ouvert quasi toute la semaine, du mardi après-midi, mercredi après-midi, jeudi toute la journée, vendredi toute la journée et samedi toute la journée. Ok, alors, comme tu peux voir, devant toi, tu as quelques thèmes. Mm-hmm. Donc, je te laisse choisir le thème qui te plaît le plus, qui te parle le plus, et je te poserai une question concernant ce thème. Ok, super. Et là, on va choisir environnement. L'environnement. Alors, on va changer un peu les questions. Que faites-vous pour aider l'environnement ? Alors, je suis quelqu'un qui est très méticuleux sur l'idée de tri des déchets. Je suis très engagé aussi, on va dire que c'est la partie de l'environnement aussi, dans la défense du droit animal. Je suis végétarien et je suis aussi engagé dans des associations type Greenpeace, Sea Shepherd, etc. Ok, et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour aider l'environnement au quotidien? Prendre conscience de l'état grave de notre planète et essayer à tout à chacun à son niveau de faire un effort sur notre consommation et sur ce qu'on achète aussi au niveau déchets plastiques, etc. Déjà commencer par ça, ce sera un bon début. Je pense aussi. Bien, merci beaucoup Doric. Merci à toi. Et à une prochaine fois. À une prochaine fois. Bien bonjour à tous et bienvenue sur le Petit Média. Je suis aujourd'hui au Petit Montmartre avec Lou. Comment vas-tu Lou? Ça va très bien, et toi? Eh ben, ça va très bien aussi. Alors on est au Petit Montmartre. Alors d'abord Lou, est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu où tu travailles, en quoi consiste ton travail, tout ça, tout ça. Alors du coup, je suis musée de France. Et le principe donc, c'est qu'on est un musée numérique et qu'on propose des animations pour les enfants et pour les adultes et sur le thème de l'art et de la culture en général. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu travailles? Moi ça fait un an que je travaille à la Micro. Ok. Alors, on passe aux choses rigolotes. Tu as devant toi 5 thèmes. Alors tu en choisis un qui te plaît et je te pose une question sur ce thème. Les écrans, du coup ça colle avec la vie, forcément, c'est magnifique. Alors, ma question pour toi ce serait, est-ce que ce serait difficile pour toi de vivre sans écran? Et pourquoi? Oui et non, dans ma vie perso pas spécialement, mais bon, après pour mon boulot, ça sera un peu plus compliqué. Mais non, pas spécialement, parce que je pense qu'on peut faire plein d'autres choses que d'être devant des écrans, même si ça reste hyper important dans la société dans laquelle on vit. Mais je pense pas que ce soit une obligation. Ok. Et ouais, du coup, tu fais quoi sans écran? Tu fais quoi, quoi? C'est quoi tes activités, on va dire? Je peins, je fais du dessin, je lis. T'as exposé aujourd'hui? J'expose pas, mais pour ma pratique personnelle. Ok, donc peut-être ça se trouve un jour, petit monde art, on verra peut-être. Et ben, j'espère. Et ben, merci beaucoup, Lou. Et à une prochaine fois. C'est ça.
bienvenue sur l'Optimédia. Je suis aujourd'hui en compagnie de Maxence. Comment vas-tu? Enchanté Romain, ça va très bien et toi? Ça va plutôt bien en cette magnifique journée petit Montmartre. C'est vrai, magnifique. Alors, est-ce que je pourrais te présenter? Alors moi je suis Maxence Angramer, coordinateur du secteur adolescent au centre social et d'animation culturelle garçon. Et donc tout simplement je suis ouvert de 17h à 19h durant... Incroyable, Romain, tu ne sais même plus. Durant la période scolaire, et je suis ouvert toutes les après-midi de 14h à 19h pour les jeunes adolescents, garçons et des alentours. Je savais, mais je voulais juste te laisser dire parce que c'est incroyable. C'est ton moment de gloire. C'est toujours mon moment de gloire. Très bien, alors j'ai. Comme tu peux voir, tu as quelques thèmes sur ta table. Oui, j'ai vu des thèmes et j'ai vu tes questions. Ouais, t'as triché, t'as honteusement triché, ouais. C'est vrai. Ah, tu m'as menti au niveau des questions, donc il fallait bien que je prenne les responsabilités. Bon, du coup, t'as des thèmes, je te laisse en choisir un qui te plaît. Alors clairement... les loisirs, est-ce que ça étonne quelqu'un ici? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Question 2, Jean-Pierre. Alors... Es-tu prêt pour cette magnifique question? Allez, je t'écoute. Si toi, personnellement, tu pouvais faire un loisir, lequel ce serait et pourquoi? Oula, un loisir. Ouais, n'importe lequel. Et pourquoi? Et si on le fait déjà? Tu peux le faire déjà. Bah, c'est incroyable. Alors, moi, c'est tout simplement me poser sur mon ordinateur, profiter d'une petite partie de League of Legends et quel régal. Je peux te dire qu'il y a quelqu'un derrière la caméra qui est très content. Avec ah, on va présenter. Comme dirait le S, c'est le J. Ok, et qu'est-ce que ça t'apporte alors? Pourquoi tu joues à League of Legends? Ou aux jeux vidéo en général? Ouais, vaut mieux partir sur les jeux vidéo en général parce que League of Legends n'est pas le bon exemple. Non, non, bah clairement c'est un moment de détente et après le travail au moins on joue avec des amis, on fait une partie ensemble et on déconne. Donc qu'est-ce que tu dirais par exemple aux personnes qui disent que les jeux vidéo c'est néfaste, qu'il faut pas jouer aux jeux vidéo, que ça peut rendre violent, tout ça? Est-ce que t'es d'accord? Non, je suis pas d'accord avec ces inepties. J'allais dire c'est comme tout, c'est à contrôler quand on est plus jeune, après c'est... Oui, ça peut être dangereux, clairement, si c'est pas cadré. Ouais. Après, faut que ça reste un plaisir. Et pas devenir une dépendance comme voilà, des FIFA, Fortnite, où on reste toute la journée dessus. Parce que les jeux rendent aussi addictifs, mais comme n'importe quoi. On peut être addictif au foot, on peut... à plein de choses. Je suis d'accord. Ouais, je sais, Romain, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Ouais, je sais bien, Romain. Eh bah écoute Maxence, merci beaucoup. C'était tout? Ah c'est incroyable, merci beaucoup. Ah, c'était tant de stress. Ah bah pour ça, mais je t'envoie mes jeunes maintenant. Bah y'a pas de soucis. Vas-y. Et t'inquiète pas. Sinon, salut collègue. Ok. So. Yes. We are talking in English, so please don't judge me. I'm not so good at English. Ok, it's good. We are talking. So. First, yes. Can you present yourself? Hello, I'm Nini Tedorazen. I'm from Georgia and I'm student of lycée and I live in France now. Ok. Moi c'est Léa Giraud, je viens de France et je suis au lycée à Beauvais. Ok. Can you tell a few words in French? Oui. Like, present yourself in French, maybe? Bonjour, je m'appelle Mimi, j'ai 16 ans, je suis arrivée en France il y a 11 mois. Ok, it's perfect, it's perfect. So, you have some different words, okay? Do you understand them? Education, I understand, maybe I understand the écrans. C'est like a computer, okay. TV. Okay. Environment, I understand, and I don't understand this. Loisir, it's what you like to do. Usually. Yes, like sports or video games. When you don't want. Okay. When you don't. Okay. So you choose one of these, the one you prefer, okay. And I will ask you a question. Interesting. Léa, start. Je vais prendre les loisirs. Ok. Alors, tout le monde prend les loisirs, c'est fou cette affaire. Si tu pouvais faire un loisir, lequel tu ferais et pourquoi? Bah, ce serait le dessin.
parce que j'en fais depuis toute petite. J'adore ça en fait. Ok, en fait la prochaine fois qu'on verra un petit Montmartre, c'est toi qui dessineras genre là-bas. Après si vous voulez, j'ai déjà des peintures qui sont exposées. Ah ouais. J'en vends deux sur les quatre. Bah trop bien. Tu fais des dessins de quoi? Je touche plus au manga, mais comme je suis en école de design, j'essaie de toucher un petit peu plus à toi en fait. Ok, c'est toi qui as fait des dessins pour le centre social Sur le tableau noir, oui. Ouais, ok. You can choose a word. I think education. Education. Where is it? Okay. Absolutely. I have a good question. Okay, go on. Ah, but I we speak about education. Yes. Okay, let's do equals then, if you want. I change. Okay. What do you think it means at school? This I think, was right? Yes, yes, I understand. Well, it's not a word, but I understand. I think it's a relationship between teachers and the students. The most of them is more focused about, how to say, the books. We always write something that you need to study this and you need to learn this. And no one asks you sometimes, what is your opinion about it? Because it's like this and you need to do this, this and this. And I think relationship between teacher and student is thing that is lost today. And it's bad. Okay. Yes. And so you have been at school? I've been school in Georgia, for example, few schools. Yes. And here I'll be in the college and in the lycée too. And I think here is more good situation for sure, absolutely. Okay. And because the teacher, how to say, is not only orientation by this, that's what I say, like the study, the study, the study, this, because I had contact with good teachers, I think. So they were so good with me, for example, and we speak about so many things and not, for example, only in mathematics or only in French. So when it's global and you can speak with your teacher like your family member, it's the most important thing. Okay, thank you. You're welcome. It was very interesting. Same. Maybe I'll see you later another day. Another yes. day. It's a weekend. Will. Thank you. Thank you. And good day. Goodbye. Thank you. Bonjour à tous et bienvenue sur le Petit Média. Je suis aujourd'hui au Petit Montmartre avec Valérie et Candice. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Et bah c'est parfait pendant cette magnifique journée, n'est-ce pas? Alors je vais vous présenter, dire un petit peu ce que vous faites à la médiathèque toute l'année. Alors, dans le cadre des 400 ans de la licence de Molière, nous allons recevoir des classes de collégiens du collège Cobaste, ainsi que du collège de l'Enfant Jésus. Dans le cadre d'un projet manga, nous allons travailler avec différentes écoles. Ça va partir du CE1 jusqu'au CE2. Ok. Et donc on va aborder le manga Nausicaa, la vallée du vent, et puis pour les plus jeunes, Poupelle et la vie essentielle. D'accord. Et d'autres projets Nous allons de nouveau recevoir tous les mardis matins les classes élémentaires avec différentes animations, dont le raconte-tapis. Tous les vendredis matins, nous allons recevoir aussi les classes élémentaires à partir du CP pour le prêt d'ouvrage. Et une exposition aussi de manga qui sera destinée du CE1 au CM2. D'accord. Alors, vous me demandiez justement qu'est-ce que c'était que ça? Eh bien, je vais vous dire. Alors, en fait, vous avez 5 thèmes. Vous choisissez le thème que vous préférez, qui vous parle le plus. Et je vous poserai une question concernant ce thème. Aussi simple que ça. Ça a l'air piège. Pas du tout. L'éducation? Oui. D'accord. On va s'en tirer un après. Chacun son choix. Éducation. Selon vous, que manque-t-il à l'école? D'enseignants? Les enseignants? C'est vrai? C'est tout à c'est fait bien vrai. Ce que j'ai entendu, ça, les enseignants.
Il y a les enseignants, c'est vrai qu'il y avait un peu l'air. Ben, c'est toujours quand même. Cette année, ça avait l'air récurrent quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, j'avais entendu ça. Mais admettons, si tout se passait bien, et qu'on avait des enseignants, qu'est-ce qui manque? Bah, peut-être d'aborder des sujets de littérature jeunesse qui ne sont pas forcément abordés dans les écoles. Comme nous, par exemple, on aborde le manga. C'est vrai. C'est vrai que je disais, quand on était plus jeune, du coup, on faisait lire des livres qu'on n'aimait pas forcément. Du classique. Du classique, c'est ça. En plus, déjà, je trouve qu'on n'avait pas forcément l'âge pour comprendre forcément. Et en plus, on n'aimait pas trop. Et ça nous incitait pas à lire, quoi. Ça nous incitait pas vraiment à lire. Alors que finalement, peut-être qu'il y a plein de jeunes qui aiment lire, mais qui se disent qu'ils n'aiment pas parce qu'ils ne sont pas tombés sur des bons livres. D'accord. Candice. Loisirs. Si vous pouviez faire un choisir, lequel un loisir, lequel choisiriez-vous? Pourquoi? Choisir un loisir, c'est-à-dire? Tu fais le loisir que tu veux. Même si tu le fais déjà. Le sport, c'est pas un loisir? Ouais. Tu fais quoi comme sport? L'escalade. L'escalade? Ouais. Ok, pourquoi? C'est un sport individuel et je l'apprécie quand même à l'esprit technique. C'est des bonnes choses. Et puis, je sais pas, ça peut-être d'apprendre de la hauteur. Tu penses à rien quand tu es. Ok, pour se ressourcer finalement. Ok, d'accord. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Et à la prochaine. À la prochaine.